Bienvenue dans cette chronique des nouveaux médias. Pour ce premier numéro, je vais vous parler de la transformation digitale dans les médias, c'est-à-dire la nouvelle façon de consommer les contenus proposés par les médias. Vous êtes d'accord avec moi que la vidéo prend de plus en plus de place, que ce soit sur Internet, mais également sur les plateformes qui sont utilisées. Par exemple, sur le mobile et sur les tablettes, les chiffres ont beaucoup augmenté en 2015. Et également, la façon de consommer le contenu. Il y a ce qu'on appelle la délinéarisation de la télévision. C'est un mot qui est difficile à prononcer pour certains, la délinéarisation de la télévision. C'est-à-dire qu'avant, la télévision était linéaire. Elle est toujours d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que les gens, quand on regarde un programme de télé, le plus souvent, on le regarde en direct, c'est-à-dire que c'est linéaire. Une fois le programme raté, on ne peut plus revenir dessus. Quand c'est délinéarisé, c'est-à-dire que le programme, on peut le regarder tout le temps qu'on veut, c'est-à-dire en mode streaming, que ce soit sur des plateformes comme YouTube, en cachet TV ou bien en mode enregistré. Par exemple, il y a certaines chaînes de télé qui proposent sur des services de box, c'est-à-dire les décodeurs ou bien tout simplement sur des box internet dans certains pays, par exemple, ça existe, ou bien sur ce qu'on appelle la TNT, même si au Sénégal on parle de TNT. D'ailleurs, je promets de parler de ce sujet dans une de mes chroniques. Mais la transformation digitale dans les médias, c'est aussi le temps que les gens passent sur Internet à regarder de la vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube est le site le plus consulté en matière de consommation de contenu. Même au Sénégal, le site le plus consulté s'agit de YouTube. Également sur Facebook, les fondateurs ou le fondateur de Facebook mise beaucoup sur la vidéo dans le développement de sa plateforme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les vidéos sont beaucoup mises en avant. La façon dont les gens consomment justement ces vidéos-là a beaucoup évolué. Elle est devenue donc du direct, donc linéaire, qu'il s'agisse de la télé, en devenant du délinéaire, c'est-à-dire que tout simplement la vidéo est consommée en mode VOD, en mode on-demand, ce qui veut dire que les télévisions qui s'adaptent à cette nouvelle fonction peuvent gagner de l'avance par rapport aux concurrents. Il y a aussi l'autre aspect de la transformation digitale dans les médias. C'est la social TV. Beaucoup de chaînes de télé intègrent ce qu'on appelle le second écran, le second screen. La plupart du temps, quand les gens regardent des programmes de télé, ils ont à côté un autre écran. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette ou bien un smartphone. Le plus souvent, les gens, en utilisant ces appareils-là, ils ont la possibilité de, par exemple, commenter le programme en cours. C'est ce qu'on appelle la social TV. D'ailleurs, au Sénégal, il y a certaines chaînes de télé qui ont commencé à proposer ce service. Par exemple, dans certaines émissions qui sont proposées en direct, les internautes qui sont sur Facebook ou sur Twitter peuvent poster des commentaires ou des questions à l'intention du programme en cours. Ça aussi, c'est une transformation digitale dans les médias. Une autre transformation digitale dans les médias, c'est la façon de proposer le contenu. C'est-à-dire que le programme peut être fabriqué avec les internautes, avec les téléspectateurs. Par exemple, dans certaines télés, avant que le programme ne soit diffusé, il y a un teasing qui est proposé, il y a un pré-programme. C'est-à-dire que les gens parlent du sujet qui va être diffusé à telle heure, sur telle chaîne. Et les gens peuvent poser des questions à l'avance en passant par Internet. Ce qui veut dire que Internet prend de plus en plus de place dans les télés, mais aussi c'est le cas pour la radio et aussi pour la presse écrite qui devient de plus en plus intégrée justement sur Internet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre chronique sur les nouveaux médias.